Dans notre pays, le terrain découvert alterne avec le terrain mixte. Défilés, vallons, zones habitées et forêts. Dans ce terrain, l'adversaire mécanisé ne peut que partiellement profiter de sa puissance et de sa mobilité, contraint qu'il est de modifier constamment ses formations de combat. L'infanterie tire pleinement profit de ce terrain riche en obstacles. Elle contraint l'adversaire à s'arrêter, l'attaque et l'anéantit lorsqu'il est limité dans sa liberté de manœuvre. Après avoir mobilisé, l'armée occupe un dispositif de combat adapté à la nature de la menace. Le commandant de régiment a réuni les commandants subordonnés OPC. Je veux interdire une poussée sur l'axe principal par des barrages successifs et des points d'appui. Détruire l'adversaire mécanisé dans mon secteur avec l'effort principal dans la partie nord-ouest. Être prêt avec les chars à déplacer sans délai l'effort anti-char. Attaquer et détruire l'ennemi dans le goulet en avant du barrage principal avec la compagnie de grenadiers renforcés. Le commandant du bataillon de fusiliers 79 donne ses ordres. Fusilierkompanie 179. Minus ein Fusilierzug. La compagnie de fusiliers 179, moins une section de fusiliers, plus une section FA 579, plus une demi-section de la compagnie anti-char 33, plus une section lance-mine, plus un commandant de tir du groupe obusier blindé 5, barre la route Lotzach-Langbrücken, tient la croisée point 470 Neuwies, assure la prise de position des chars dans le secteur colline, peut demander le feu de l'artillerie. Ha, d'artillerie, anfordere. À la faveur de l'obscurité, les unités gagnent leur secteur d'engagement. Section lance-mine. Deuxième section fusillée. Demi-section mitrailleur. Section F1. Section canon Puchin. Pour garantir la survie et atteindre rapidement un degré de préparation au combat le plus élevé possible, des détachements de l'unité préparent le matériel qui servira à la construction des abris et des positions d'armes. Des équipes qui se relaient travaillent à la construction des trous de tirailleurs, des positions d'armes et des abris.
simultanément, on teste les préparatifs de combat. Le commandant de compagnie expose son plan de combat. La section FA, renforcée de mitrailleurs, barre le défilé. Une section de fusiliers, renforcée de canons anti-chars, barre la route cantonale. Une section de fusiliers, renforcée de tireurs FA et de mitrailleurs, couvre le flanc droit et se tient prête à agir offensivement en avant du barrage. Les mines anti-chars sont sur la crête, les mines anti-personnel en lisière de forêt. Un peu plus à droite. Bon. C'est bon? Non, attends. Bon. Le commandant de compagnie se renseigne sur les préparatifs du combat. Le lieutenant l'informe. Il nous faut encore 2 heures pour finir les positions. Un tiers des effectifs y travaille. Le gros de la section pose les mines. Route 700. Route 700. Halte. Nouveau but. 800-500. Compris. 800-500. Capitaine, les mitrailleurs sont prêts. Bien. Compagnie prête. Commencez. La compagnie est en place. Le commandant peut commencer à exercer les actions offensives. Distance 400. Le chef de la section FA renseigne le commandant de compagnie sur son plan de feu anti-char. J'engage les Dragons dans le secteur limité à gauche par le groupe d'arbres, à droite par la ferme. Les tubes roquettes de part et d'autre. Si les chars poussent par le chemin dans la forêt, grenade anti-char. Il faut beaucoup de temps pour construire toutes les positions d'un point d'appui de compagnie. Les liaisons fil et les liaisons radio ont une importance capitale. Sans liaison, les commandants ne peuvent pas mener le combat. Le commandant de compagnie informe le commandant de bataillon de son intention. Détruire l'ennemi à la hauteur du groupe d'arbres, entre les lisières. Le cas échéant, engager les chars dans le même secteur. Le commandant de la compagnie de chars indique que ses troupes ont pris position 1 km derrière le dispositif. Quant au lieutenant Gauthier, il s'assure que la lisière et la hauteur seront occupées par l'infanterie avant la prise de position des chars. Pour éviter les mines posées dans ce secteur, le chef de section du point d'appui montrera le passage à emprunter. On ne pourra pas compter tous les jours sur le ravitaillement. L'aménagement de dépôts fait donc partie des préparatifs de combat. Tube roquette 30 coups. Des cartons de GP-11, 54 grenades.
Fusillé t'as eu. Allez chercher un brancard. Compris. Les préparatifs de combat les plus poussés ne sont rentables que dans la mesure où ils comportent également la préparation de l'assistance sanitaire et l'organisation des possibilités de désintoxication après les engagements C. Le service sanitaire du régiment a été organisé de telle manière que chaque point d'appui de compagnie dispose d'un poste de secours. Un telex de la division informe le régiment qu'à 0530, l'ennemi de la force d'une division de fusiliers motorisés a attaqué la brigade 20. Après un engagement C fugace, il a occupé le col Saint-Georges avec des héliportés de la force d'un bataillon. La brigade 20 est impliquée dans de violents combats. L'adversaire met tout en œuvre pour continuer sa poussée vers le plateau. Capitaine, capitaine, message du bataillon. Dans 3 heures, ils sont là. Attention, j'ai du nouveau du bataillon. Dans environ 2 heures, l'ennemi peut nous attaquer à partir du secteur du bataillon 80, avec une compagnie par axe. Il faut donc s'attendre à tout moment à des feux d'artillerie, des engagements C et des héliportés. Dès maintenant, préparation totale au combat. Le lieutenant Roduit oriente le groupe Garel. L'ennemi peut nous attaquer d'un moment à l'autre. Je m'attends à des feux d'artillerie et à des engagements C. Les chars ennemis peuvent être là dans 1 heure. Je veux que tous les postes d'observation soient occupés. Qu'il n'y ait qu'une seule arme anti-char par barrage dans le trou de tirailleurs. Que le reste de la section rejoigne immédiatement les abris. Caporal, après le feu d'artillerie, sur mon ordre, tout le monde en position. Sofort, Ali, Mstelik. L'alarme-char de la compagnie de fusiliers 1-79 renforcée est aux aguets. Là, ils viennent. Où? De Vega Uno, en direction de Vega Quattro. 1, 2, 4 chars et 8 chars de grenadiers. Annonce-le tout de suite. Fantasio de Paris, répondez.
Le feu concentré des armes anti-chars et des armes à trajectoire courbe contraint l'adversaire à battre en retraite. Un deuxième échelon cherche à percer avec l'appui des hélicoptères de combat. À moi! Présent! Feu d'artillerie, secteur Omega Uno, détruire les grenadiers ennemis immédiatement! Compris! Du point d'appui maintenant hors de combat. Quatre chars attaquent dans le secteur Rita. Il me faut d'urgence le renfort des chars. Déclenché contre un saut Lola.
Par le jeu du feu et du mouvement, avec l'appui de l'artillerie, des lance-mines et des mitrailleuses, la deuxième section réussit à reprendre le point d'appui tombé aux mains de l'ennemi. Chaque interruption de combat est mise à profit pour s'occuper des blessés et les évacuer de la zone des combats dans le poste sanitaire de secours, puis dans l'hôpital de base. Ça va mieux? Non, c'est pire. Où est-ce que vous avez le plus mal? Là. Je vois. Là, pardon. Continuez les perfusions. L'ennemi progresse sur un large front et s'approche du point d'appui Wissendorf de la compagnie de fusiliers 279. OPC, l'officier de renseignement fait savoir au commandant de régiment que le bataillon de fusiliers 79 a annoncé Wissendorf occupé par l'ennemi. L'adjudant de régiment propose que la compagnie de grenadiers effectue une contre-attaque durant la nuit prochaine. Le commandant de régiment donne son accord et attribue la compétence de tir d'artillerie au commandant de compagnie. Thank you.
L'action est couronnée de succès. L'adversaire est en grande partie anéanti. Quelques éléments ennemis battent en retraite. Bataillonsaufklärung hat empfindliche KP in Meriswil. L'exploration de bataillon a localisé un PC ennemi à Amriswil et un dépôt de carburant à Steinau. Ma mission, la compagnie de fusiliers 179, doit détruire ces deux installations. Mon intention, je veux, avec deux sections renforcées, attaquer par surprise ces deux objectifs à 0300 et les détruire. Und zerstören. Une partie de l'infanterie est instruite pour le combat en montagne. Ici, l'adversaire mécanisé ne peut faire mouvement que dans l'axe des vallées. Pour maintenir l'élan de son attaque et s'emparer d'importantes portions de terrain, l'adversaire peut engager des hélicoptères de combat et des troupes aéroportées. En montagne aussi, il faut vouer un soin particulier à la préparation du combat, si on veut survivre au feu de préparation de l'adversaire. Dans le rocher et à l'écart des sentiers battus, les préparatifs de combat nécessitent beaucoup de temps. Dérive 16.05, élévation 12.55. Dérive 16.05, élévation 12.55. Juste. L'officier de renseignement du bataillon oriente. L'ennemi peut progresser avec ses moyens mécanisés par la route du col. Il peut déposer des troupes héliportées sur les hauteurs dominantes, derrière notre barrage. En bien des endroits, il n'est pas possible de recourir aux véhicules à moteur pour le transport des biens de soutien. C'est alors aux troupes du train d'entrer en action. Le commandant du bataillon de fusiliers de montagne fait connaître son intention.
Je veux barrer les deux axes avec une première compagnie de fusiliers. Tirer profit de chaque situation favorable pour mener un combat agressif en avant du barrage avec une deuxième compagnie mobile. Et appuyer l'action avec le feu des lance-mines lourds. Les tireurs FA laissent progresser l'adversaire, puis ouvrent le feu par surprise. Le deuxième échelon ennemi progresse avec l'appui des hélicoptères de combat. L'adversaire bute contre le barrage. Vague après vague, les fusiliers motorisés ennemis débarquent et passent à l'attaque.
La compagnie engagée comme élément mobile attaque de flanc l'adversaire mécanisé qui est entravé dans sa liberté de manœuvre. L'évacuation des blessés par hélicoptère est exceptionnelle et ne peut se faire qu'à partir de secteurs de combat secondaires. L'infanterie supporte, aujourd'hui encore, le poids principal du combat. Ses gros effectifs, son armement non sophistiqué mais fiable et sa mobilité presque sans limite lui permettent dans le terrain d'infanterie et dans le terrain mixte, à partir des points d'appui et des barrages, de mener avec succès le combat contre un adversaire mécanisé. Sachant tirer profit de chaque faiblesse de l'ennemi, elle le harcèle, l'anéantit, ou, pour le moins, le touche au point le plus vulnérable. C'est ainsi que l'infanterie remplit sa mission.